Un nouveau rapport indique que la préparation du Royaume-Uni à une pandémie était trop axée sur un modèle de grippe et que les ministres ont attendu trop longtemps avant de mettre en œuvre des mesures de confinement au début de 2020. Le rapport intitulé Coronavirus Lessons Learned to Date vise à fournir une évaluation plus complète de la gestion de la pandémie par le gouvernement. Il a noté que la réponse rapide du NHS a nécessité la réaffectation d'une quantité importante de ressources provenant d'autres secteurs du système de santé. Cela a conduit à un nombre important de rendez-vous manqués ou annulés pour des personnes non infectées. Il a aussi été question du contrôle frontalier léger qui a laissé la porte ouverte à l'entrée du virus par l'Espagne et la France et qui, selon le rapport, a rendu le confinement presque inévitable. Le ministre du cabinet, Stephen Barclay, a déclaré mardi sur Sky News que les preuves disponibles ont guidé les décisions du gouvernement. Nous avons suivi les avis scientifiques, nous avons protégé le NHS, nous avons pris les décisions sur la base des preuves dont nous disposions. Mais bien sûr, nous avons toujours dit qu'avec quelque chose d'aussi inédit que la pandémie, il y aura des leçons à tirer, nous tenons à les apprendre. C'est pourquoi nous nous sommes engagés à mener une enquête et ce sera l'occasion d'examiner ce qui pourrait être fait différemment et les leçons à tirer pour l'avenir. Barclay a déclaré qu'il n'avait pas encore eu l'occasion de lire le rapport. Le rapport dit qu'il ne cherche pas à attribuer des blâmes, mais donne ses conclusions et recommandations pour alimenter les préparations aux menaces futures et améliorer les mesures Covid actuelles.